En fait, le laboratoire, c'est une démarche avant d'être un département. L'idée, c'est de profiter de cette énergie du conservatoire, de ces rencontres potentielles, pour amener les étudiants à créer leur propre univers. Ce laboratoire Scène Recherche propose à la fois des objets intéressants, mais une manière de les vivre qui est tout à fait particulière. L'idée du laboratoire, c'est de prendre tous ces potentiels et de les déplacer un petit peu, c'est-à-dire sortir de la salle du concert, investir des lieux comme ici, et de proposer à travers des compositeurs des regards différents de ce que peut signifier l'idée de résistance, mais je préfère moi l'idée de mémoire et de transmission. Donc ce centre d'histoire, qui ne dit pas son nom de musée, est un musée d'histoire en vérité, installé symboliquement dans les anciens locaux de la Gestapo lyonnaise. C'est un lieu culturel, tout autant qu'un lieu de mémoire. Retranscrire l'émotion qui était portée par ces témoins, ces acteurs de la Seconde Guerre mondiale, ça nous a semblé difficile sans le recours à l'art et notamment à la musique. Mis à part Bach, tous les compositeurs choisis ont un lien soit avec cette période, soit ont écrit des pièces dédiées à des gens qui ont été des résistants ou qui ont fait des preuves de résistance. L'histoire de la résistance, c'est montrer que ces individus, ils ont eu un poids considérable, ne serait-ce qu'un poids moral. Ça, c'est un message qu'on peut porter avec toutes les générations, l'individu peut avoir un poids sur le collectif. Il y a quand même cette idée d'un parcours, d'un cheminement en fonction donc de la déambulation des publics en fait. Et c'est vraiment cette idée-là de déplacement. Le lieu est chargé d'histoire et eux-mêmes, les étudiants, sont traversés par le lieu. Et investir un lieu, c'est d'abord être à son écoute. Et pour la rencontre avec le public, ce qui est important, c'est, je crois beaucoup, surtout les gosses qu'on a vus aujourd'hui, les questions qu'ils posaient, l'écoute qu'ils avaient, c'était étonné, c'était très curieux et très attentif. Moi, j'essaie de solliciter vraiment les étudiants à répondre à des questions, à même aller au-devant des questions, expliquer. Le moment de la rencontre avec le public, c'est un moment fondateur. C'est un moment où le jeune artiste se définit. Les artistes ont toujours eu un rôle très important dans l'interrogation de la société. Quand on parle de mémoire, eh bien on est dans la mémoire en essayant de transmettre ce répertoire-là, ce langage-là, parce que ça, c'est un patrimoine commun, ça. Je pense que nous sommes particulièrement investis dans une grande ambition qui est celle d'amener une forme d'intelligence dans la pratique de nos jeunes. C'est-à-dire qu'ils soient particulièrement performants, mais aussi engagés dans leurs responsabilités artistiques.